Good morgen, allez, Yidan, les tutos aujourd'hui, les Lonishmat, Moriver Bishmuel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Aouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah et Sol Vanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Menachot Perikhe, Mishnah Zain. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Minim, Teunim, Shalosh Mitzvot. Shtaim, Bekol Achat Veachat, Vashlishit En Bain. Veeloen, Zivrei Shalom Yachid. וזבחי שלמי ציבור, והשם מצורע. זבחי שלמי יחיד, טעונים סמיכה חיים, ותנופה שחוטים, ואין בהם תנופה חיים. זבחי שלמי ציבור, טעונים תנופה חיים, ושחוטים, ואין בהם סמיכה. והשם מצורע, טעון סמיכה, ותנופה חי, ואין בו תנופה שחוט. Mishnah, franchement, très simple, ça va être bien expliqué. Dommage, je n'ai pas sorti le tableau, c'est pas grave, ça va aller vite. C'est pas compliqué, on va parler de trois corbanotes. Imaginez un tableau avec trois corbanotes et trois cases. Chaque corban, on va les caser deux cases, on va dire, on va mettre V, 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 ça veut dire oui, oui, non. Et l'autre, on va dire oui, non, oui. Et l'autre, non, oui, oui. Trois corbanotes que l'on va évoquer avec trois possibilités de mitzvot particulières. Smicha, Tunufa Chaim, Tunufa Shachut. Et chacun des korban, il aura deux mitzvahs et pas la troisième. Vous avez compris le principe? C'est très simple. Reuven, Shimon, Levi, chacun il a une mitzvah, mitzvah Aleph, Bet, Gimel. Un, il va avoir la mitzvah Aleph, Bet, mais pas Gimel. L'autre, il va avoir la mitzvah Aleph, Gimel, mais pas la Bet. Et l'autre, il va avoir Bet, Gimel, mais pas l'Aleph. D'accord? C'est clair? Eh bien, c'est exactement ça. On va parler de trois korbanotes qui sont les Zifrei, Shalmei, Tzibour, Shalmei Yachid, Shalmei Tzibour et Hacham Metzora. Shalmei Yachid, c'est le korban shlamim qu'un individuel apporte. Ya Shalmei Tzibour, c'est le korban shlamim que l'on apporte en public, c'est-à-dire, vous le connaissez par cœur maintenant, à Shavuot spécifiquement, c'est la seule fois qu'on apporte des shlamim. Et le troisième korban, c'est le Hacham Metzora, le korban lorsque le Metzora va vouloir se purifier, apporter son korban. Alors, on va parler de trois mitzvot, on a parlé de trois korbanot, on va parler aussi de trois mitzvot. La première mitzvah, c'est faire la smicha. Ya Vesamachiado al-ro sha'ola, c'est dit de plusieurs manières dans la Torah, que lorsque je vais vouloir apporter un korban, alors je dois poser mes mains et appuyer fort sur la tête. C'est une manière de transmettre mes fautes, ou de le désigner à lui en tant que représentant pour moi. D'accord? Désigner le korban en tant que représentant devant Hachem, que son sang va partir en expiation. Ça, c'est la smicha. À part ça, il y a la tenufa, le fait de balancer. Mais la tenufa, quand on fait attention à la psukim, elle peut être réalisée de deux manières. Soit lorsque l'animal est encore vivant, on le balance. Soit on le balance une fois qu'il est mort. Et pour chacun des trois korbanot, Shalmei Yachid, Shalmei Tzibour et Hacham Metzora, on va voir qu'il faudra faire soit la smicha est balancée vivant, soit la smicha est balancée une fois qu'il est égorgé, soit balancée deux fois, mais ne pas lui appuyer sur la tête. D'accord? Vous avez compris ça? Eh bien, on attaque directement la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, Shlosha Minim, il y a trois espèces, trois sortes de korbanot, Teunin Shalosh Mitzvot, qui requièrent au total trois mitzvot, que Shtaim Bekol Achat Veachat, où tu verras qu'il y a deux mitzvot pour chacun d'eux, et la Shlishi Tenbeim, et la troisième, elle ne sera pas. Et on commence, les trois korbanot d'abord, qui sont Zivrei Shalmei Yachid, les korbanot Shlamim de l'individuel. Toute personne qui veut faire un don, d'apporter un shlamim à Hachem, il vient pas en général, le shlamim il vient pas sur une faute. C'est juste pour faire le shalom entre qui vient prendre le misbéach, les kohanim et Hachem, puisque chacun, et le propriétaire, puisque chacun va prendre une part à consommer. Ça c'est Zifrei Shalmei Yachid, mais Zifrei Shalmei Tzibour, et les korbanot shlamim du public, c'est-à-dire les korban shlamim de Shavuot, Zifrei Shalmei Tzeret. Et le Hacham Metzora, et le Hacham, le Korban Hacham d'expiation du lépreux qui va se purifier. Et on commence, Zifrei Shalmei Yachid, le Shlamim du Yachid, le Korban Shlamim de l'individuel, Teonin Smicha Chaim, il requiert que l'on fasse la Smicha, que l'on appuie les mains sur la tête quand il est encore vivant, et ensuite, Utnu Fash Routim, et qu'on le balance lorsqu'il a été égorgé ensuite. Mais par contre, Ve'en Bem Tnufa Chaim, il ne doit pas être balancé lorsqu'il est vivant. Ouais, la précision, la Torah nous a demandé de lui faire spécialement la Tnufa,
Alors, uniquement lorsqu'elle a été égorgée. On va prendre justement, comme on a appris dans la Mishnah précédente, où on va apporter les mourim avec le choc à yamin et les mourim avec le chazé de choc. Le chazé, le torse de l'animal, la poitrine, et le choc, le flanc droit. On va porter ça, on va le balancer avec le Kohen. Donc forcément, on ne va pas les décortiquer quand il est encore vivant. On va d'abord l'égorger, puis après on va récupérer ses papes, après on va le balancer. C'est clair? Donc on retient. Pour le moment, dans l'ordre chronologique, il devrait y avoir Smicha, Tnufa Chaim et Tnufa Shachut. Et dans l'ordre chronologique, c'est Smicha, on met d'abord les mains quand l'animal est encore vivant. Après, on le balance quand il est encore vivant et on le balance quand il est mort. Donc pour le moment, on a pour le Shalmei Yachid, pour le Shlamim de l'individuel, 1 et 3, mais pas le 2. On fait la smicha, on fait la tnoufa shachrout, mais on ne fait pas la tnoufa chaim. C'est clair? Ensuite, zifrei shel metzibor, les shlamim publics, qui sont les korbanot de Hatzeret, de Shavuot, teunin tnoufa chaim ou shchoutim, ven ben smicha, je reste avec mes doigts, il n'y a pas le premier, il n'y a pas de smicha. Parce qu'en korban public, une halakha rapportée dans le Bartanora, une halakha de Moshe Messinaï, en korban public, on ne verra la smicha que pour deux korbanot, à Yom Kippour et par Elem Dabar Shel Tzibour. C'est les deux fois où le public va emporter un korban et qu'on va mettre les mains sur la tête. Mais tous les autres korbanot publics, on ne fait jamais la smicha. Ok? Et de ce fait, en l'occurrence, les Shalmei Tzibour de Shavuot, il n'y aura pas de smicha, mais il y aura par contre les deux étapes ensuite. On le balance quand il est encore vivant. Premièrement, toute la mitzvah, elle est là, de mettre les pains quand il est encore vivant, de le balancer. Et Rabbi Shimon nous enseigne qu'il y a même aussi une deuxième tnoufa lorsqu'il a été égorgé, parce que finalement c'est un korban shlamim, comme tout korban shlamim, il nécessite d'être balancé. Donc, on refait ça dans les mots, zifrei shel metzibur, les korban shlamim du public, teunin tnufa chaim ou shrutim, il requiert d'être balancé vivant et mort, et une fois qu'il a été égorgé, ve'en ben smicha, le premier, il n'y a pas de lui appuyer les mains sur la tête. Va'acham metzora, et le acham metzora, le korban acham du metzora, c'est déduit des psukim, c'est explicite même. Alors, taun smicha ou tnufa chai, il requiert le 1 et le 2, mais pas le ven botnufa. C'est-à-dire, lorsque le hacham metzora va l'apporter, il va lui appuyer les mains sur la tête. Ça va être son expiation. Ensuite, on va le balancer quand il est encore vivant, mais par contre, on ne le balancera pas une fois qu'il sera mort. D'accord? Et ça, c'est déduit du korban shlamim, le patron rapporte. Et Achazé, le Hanif Oto, il y a marqué dans le Korban Shlamim, le Hanif Oto, et on déduit de là-bas lui et pas un autre, pas le Korban Hacham. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.